une prise de conscience réaffirmée que différents partenaires de la sécurité routière manifestent aujourd'hui en signant ce document qui fixe les orientations de la prévention et du contrôle pour les 5 années à venir. Alors nous avons des priorités à l'égard de certains publics qui sont plus vulnérables que d'autres, notamment les 2 roues motorisées. Il y a aussi les seniors. Il y a les usagers de mobilité douce, hein, que ce soit les cyclistes ou les usagers de trottinettes ou de tous ces nouveaux engins pas très visibles, pas très maniables et qui sont très fragiles par rapport à la circulation. Et puis nous avons aussi le thème du risque routier professionnel qui implique la responsabilité des employeurs aussi, et puis toutes les conduites à risque, que sont la vitesse, l'alcool, les produits stupéfiants. Je crois que c'est par une prise de conscience que chaque conducteur doit avoir. La sécurité routière, c'est l'affaire de l'État, c'est l'affaire des forces de l'ordre, c'est l'affaire de la justice, c'est l'affaire des gestionnaires de voirie, le département, la métropole de Metz, mais c'est d'abord l'affaire de chaque conducteur. C'est à chaque conducteur de se sentir pleinement responsable pour lui-même et aussi pour tous ceux qu'il croise sur la route. C'est une illustration, je trouve, de la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est assurer le vivre ensemble, c'est bien respecter l'autre, essayer de comprendre, d'anticiper ses réactions, ses dangers, ses risques, ses peurs, et de pouvoir bien se comporter pour minimiser les risques pour tout le monde. Il y a des campagnes de sensibilisation, il y a des actions de prévention, il y a aussi les actions de contrôle que la police et la gendarmerie mènent sur les routes. Et à l'occasion d'un contrôle, ils peuvent aussi faire prendre conscience aux conducteurs des risques qu'ils ont commis. Et puis, il y a tout le volet de la voirie, mais là, qui relève du département, de la métropole, de l'État pour l'autoroute A31 et du concessionnaire Sanef sur l'autoroute A4. Mais tout ceci manifeste bien que c'est un travail collectif pour arriver durablement à faire prendre conscience à l'ensemble des conducteurs du risque qu'il y a sur la route. La route, la voiture, la moto, c'est un instrument de liberté formidable, mais cela implique une responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Chacun a l'occasion de le manifester quand il prend le volant ou le guidon. On a connu une année 2022 qui a retrouvé les moyennes des années 2017-2020. C'est-à-dire qu'il y a eu en 2022 45 tués sur la route pour une moyenne entre 40 et 50 au cours de ces dernières années. L'année 2021 avait été exceptionnellement favorable avec seulement 24 tués. Mais il n'y a pas que les tués. C'est une statistique assez macabre, mais qui reflète hélas une triste réalité. Il y a aussi les blessés. Nous avons à peu près un accident par jour en Moselle et avec environ un blessé par jour en Moselle. Mais on ne peut pas tirer de leçons d'une période de quelques mois. Mais en tout cas, il faut continuer en permanence à répéter les efforts de prévention et de bonne conduite sur la route. C'est comme ça qu'on y arrivera ensemble. Oh, il est pour les années 2023-2027, donc vous voyez que l'année 2023 est déjà commencée, mais c'est le fruit d'un travail qui a pris plusieurs mois dans des groupes de travail où chacun a fait part de son expérience, de ses priorités, et on peut dire que ça commence dès maintenant. Pour les 2 roues motorisées, il y a des plans d'action particuliers qui vont être mis en place. Alors c'est l'éducation à la responsabilité. Et les motards disent toujours qu'ils sont très responsables parce qu'ils savent que la moindre inattention peut les mettre en très grave danger. Mais il n'empêche que, comme pour tous les autres conducteurs, il faut souvent répéter, redire, et notamment dans l'habillement. Par exemple, il y a des équipements qui sont obligatoires, le casque bien sûr, ça fait longtemps, mais également les gants, mais ça ne suffit pas. Il arrive encore que l'on voit des motards, certainement amateurs, en été, j'en ai vu en short par exemple, et c'est vraiment se mettre en danger de façon très très importante. Les sapeurs-pompiers qui vont ramasser les accidentés sur le bord des routes le savent bien. C'est vraiment une action de pédagogie, et pour les 2 roues motorisées, il y a une action en direction d'eux-mêmes et aussi en direction des autres véhicules. Faire comprendre à des automobilistes qu'une moto, ça peut se rapprocher très vite d'une voiture, qu'une moto peut doubler une file
et que le conducteur d'une voiture doit absolument mettre son clignotant s'il veut tourner à gauche et mettre son clignotant en anticipation, regarder dans son rétroviseur. C'est toute une éducation de différents publics au partage de la route. Et les motards sont parfois les acteurs et parfois aussi les victimes. Et il s'agit aussi de les protéger. Les actions de prévention, elles ont aussi lieu dans les établissements scolaires. C'est la raison pour laquelle l'éducation nationale est impliquée dans la préparation et dans l'application de ce document d'orientation. Nombreux sont les intervenants de la police, de la gendarmerie, qui vont expliquer à des collégiens, souvent à des lycéens, les dangers de la conduite sur la route et du manque d'équipement. Un cycliste, même jeune, doit être bien éclairé le soir, la nuit, s'il doit rentrer du collège en vélo. Donc il y a une éducation à la fois à destination des jeunes, des enseignants qui doivent aussi répéter, et puis des parents. Et tout ça, c'est l'apprentissage de la vie de citoyen, de savoir respecter des règles qui sont édictées non pas pour ennuyer les gens, mais pour les protéger et pour assurer la vie en société et la paix et la tranquillité pour tous. C'est la continuation de ce qui existe déjà, mais avec une très forte implication de la gendarmerie, de la police nationale, pour marier les opérations de prévention et de sanction. Vous savez, lorsque un conducteur a commis une infraction et qu'il est arrêté sur le bord de la route, eh bien, le dialogue qu'il peut avoir avec le policier et le gendarme peut avoir un effet beaucoup plus important qu'une amende. Et c'est pourquoi les forces de sécurité intérieure sont invitées à faire des interceptions sur la route en ayant ce contact avec le contrevenant, qui sera beaucoup plus efficace que le simple flash d'un radar automatique. Il n'y a pas des radars partout. Les radars, ils sont là dans les endroits les plus dangereux. Et il n'y a pas de campagne d'installation massive de nouveaux radars en Moselle, mais une invitation à chacun à bien se conduire sur la route.